Mais si, je t'en avais déjà parlé. Ouais, le truc du Bernard l'ermite, là. Du homard, Michel, c'est le complexe du homard. C'était quoi, déjà? C'est quand la carapace qui protège l'adolescent se fissure, casse et tombe. Ça permet à l'adolescent de grandir, en fait. Et ils sont où, là? Moi, je pense qu'il est en pleine nue, donc extrêmement fragile. On doit faire attention, en fait, le protéger, lui donner beaucoup plus d'amour. Mais où est-ce qu'ils sont, les légumes, là? Bah, ils sont encore au lycée. Dis donc, t'es à la ramasse, mon pauvre Michel. Tiens, un petit saucisson. Vous êtes en train de changer de coquille en ce moment, hein? Et donc un petit peu sensible, je sais. Tu veux pas mettre plus fort, s'il te plaît? Ouais. Je peux vous aider. Ouais, en nous laissant regarder la télé tranquille. Faut que vous appreniez à vous faire confiance, hein? Ne pas vous laisser marcher sur les pieds dans cette période où vous ne savez pas trop ce qui est bon pour vous. Apprendre à dire non. On peut essayer ensemble? Non. Par exemple, on pourrait partager nos émotions? Non. Vous pourriez me donner votre avis sur votre position au sein de la famille? Non plus. Bon, Mabs. Au sein. C'est-à-dire? Ce que je veux dire. Babette, allez, laisse-les tranquilles, ça suffit maintenant, viens te coucher. Non, Michel, j'ai le droit de dire non. Je refuse d'obtempérer, puis je te laisserai pas décider à ma place. Bon, allez, venez les garçons, on va regarder la télé dans ma chambre. Un bisou? Non. C'est bien, vous avez compris au moins. Ok, mon bébé. Non, malheureusement, demain, ce sera pas du tout possible, non, parce qu'en fait, ok, on se voit demain, ça marche, ouais, on fait comme ça. Ouais, on pourra aller... patinoire? Moi, tu sais, moi, je suis pas trop patinoire, tout ça, c'est pas... Ok, super, on ira patiner. Génial. Je pourrais porter ton sac comme ça. Trop cool. Ok, à trois, le premier qui raccroche. Allô? Allô, Juliette? En fait, ça a coupé parce qu'il y a pas de réseau, je crois, chez elle. Ta mère, elle a raison, mec. Concernant? Faut que tu t'affirmes. Oui, à propos, Juliette, là, c'est chaud avec elle, quoi. C'est-à-dire qu'elle te met la misère. C'est elle qui commande avec toi. Faut que tu te protèges, t'es pas un bulot. Je vois pas le rapport. Bon, je mets un E avant mire, comme ça rentre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu lui envoies un texto pour lui montrer qui c'est le patron. Mais c'est moi le patron, c'est évident. Attends, je dis, regarde, c'est... Ok, je lui envoie quoi? Alors, tu lui envoies... Juliette chérie, j'ai beau t'estimer puissamment, mais il y a des limites. Je suis pas un bulot. Je préfère qu'on fasse un break. Non mais... Slim, j'ai pas envoyé le mot bulot, ça veut rien dire. Ok, j'envoie bulot. C'est parti. Bim. Ah, va comprendre, là. Oh, monte. Hop, elle répond direct. C'est qui le patron? T'as raison. De toute façon, je suis allergique aux crustacés. Vaut mieux faire un break. Voilà. Tiens, je vais mettre bulot, là. T'as une ville du Pas-de-Calais? Dis-moi, comment t'écris collègue? C-O-N-N-A-R-D. Collègue.